Give it all, my, give it all. Get up. Fabrizio. Quel le frère, tu m'apportes le thé. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au don souverain de Jésus, que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent te soit abondamment donnée dans le nom de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour ce moment, cette occasion qu'il nous accorde. Il est vivant, notre Dieu. Désiré, tu m'attends, je suis direct. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Voilà, connectons-nous massivement ce matin. On va partager. Dites-moi si le son est bon. Je préfère mettre ça comme ça. Vous allez me dire, hein, je pense que là maintenant, le son, il doit être meilleur. Voilà, donc, on va parler un peu de... J'ai vu une vidéo hier, je pense que c'est hier que je l'ai vue. Hein. C'est hier que j'ai regardé la vidéo parlant de... J'ai vu le pasteur Marcelo Tounassi parlait de lui et du prophète Jean-Francis Tatum. Et je pense que j'ai aussi suivi le prophète Joël parler du pasteur Marcelo Tounassi. Donc, je vais donner mon point de vue par rapport à cette situation, parce que je pense que c'est une situation que nous avons tous suivi de près. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le moment, merci pour l'occasion, merci pour la félicité suprême. Que ton nom soit béni. Seigneur, prends contrôle. Glorifie ton Saint-Nom, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Partageons la vidéo. Envoyons les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Et dites-moi en commentaire, hein, comment le son est. S'il est bien, vous me le dites. Si le son est parfait, vous me le dites. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà. Oui, le son est parfait. C'est bien ça. Nous sommes mardi. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui disons merci pour sa fidélité, pour sa bonté, pour cette nouvelle journée. Et hier, nous étions chez le prophète Camto pour le programme qu'il a chez lui. Et nous continuons ce soir encore par la grâce de Dieu. Toute la semaine, nous serons avec lui. Donc, nous bénissons Dieu pour cela. Et comme j'ai dit depuis hier, je l'ai expliqué, ce dimanche à la Bire, déjà vendredi, nous avons atmosphère de miracle à partir de 17h. Et dimanche, nous avons... C'est le mois de la vengeance de l'Éternel. C'est le mois de la vengeance de l'Éternel. Le mois où la main de Dieu se manifestera dans le camp de nos ennemis. Nous bénissons Dieu pour cela. Dans ce dimanche, il y a une injonction prophétique à tout le peuple de Dieu, à tout le peuple de la congrégation baptiste camerounaise, paroisse Réma. Il y a une recommandation à tout le monde, pour tout le monde, que chacun vienne avec un objet qui représente sa maison. Un objet qui représente sa maison. Et nous allons travailler par rapport à cela devant l'Éternel. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous vengera de nos ennemis. Tous les autels totémiques, tout ça, tout ce qui a été fait contre nous, connu ou inconnu, nous allons prier devant Dieu.
le Seigneur se manifestera. Puisque les gens ne peuvent pas venir avec leur maison à l'église, viens avec un objet qui représente ta maison. Nous allons prier pour ta maison. Nous allons prier pour la prospérité dans ta maison, pour la bénédiction dans ta maison. Nous allons prier pour que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta maison, que sa sécurité soit sur toi et que Dieu se souvienne de ses promesses pour toi. Tout oppresseur sera oppressé. Le pouvoir va changer de camp. Je dis encore, le pouvoir va changer de camp. Le rendez-vous est donné. Le rendez-vous est donné dimanche. Tous les trois dimanches du mois d'août, chacun vient tous les dimanches avec quelque chose qui représente sa maison. Et le dimanche du culte familial, je pense le dimanche le 28, nous allons consacrer ces objets-là devant l'Éternel avec l'huile de faveur. Et vous verrez ce qui s'en suivra après. Ta maison sera prospère, le Seigneur te bénira dans toutes tes activités. La main de Dieu sera puissante dans ta vie et contre tes ennemis. Oui, pour humilier tes ennemis, le Seigneur se manifestera. Il ne lésinera pas dans les moyens. Et nous avons vu hier dans Exode, la parole que le Seigneur a dite. Il dit qu'il a entendu les cris de l'oppression de son peuple. Et donc, il est descendu pour secourir son peuple. Donc, bien aimé, je pense que c'est une belle occasion pour chacun d'entre nous de consacrer sa maison à l'Éternel. Donc, ce mois sera le mois de la vengeance de l'Éternel, où le Seigneur répondra à nos oppresseurs. Que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, Dieu interviendra. Qui est là? Il faut dire qu'on ferme les portes là. Donne-moi un instant, s'il vous plaît. Je dois fermer les portes. Voilà, pendant des années, pendant 430 ans, Israël a subi l'oppression des Égyptiens. Personne pour le défendre. Il y a des moments dans nos vies où parfois l'oppression est tellement forte, tellement puissante que le silence de Dieu nous inquiète. On se demande, est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce que Dieu marche toujours avec moi? Alors, bien-aimé, le Seigneur dit que ton oppression s'arrête. Ton oppression s'arrête. Le Seigneur descendra. Et il te sortira de la maison de la servitude et la vengeance de Dieu sera sur tes ennemis. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même, frère bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit votre Dieu. Donc ce dimanche sera un dimanche de grâce, un dimanche de vengeance de l'Éternel, un dimanche où tes cris, tes pleurs devant Dieu seront exaucés. Le Seigneur répondra. Il répondra. Et il répondra avec puissance, il répondra avec autorité, il répondra avec force. Donc, bien-aimés, ne manquons pas. Et après cela, juste après le culte des familles, je serai à Paris. Je serai en Europe pour la tournée européenne. Donc, je lance l'appel, je sonne à la trompette pour tous mes enfants qui sont en Europe. Tout le monde, vous êtes invités. Tous ceux qui sont en Asie, et aux États-Unis, partout, vous êtes invités. Venons de partout, retrouvons-nous en France. Nous serons dans la même salle, la Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé. Au 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé. Soyons très très nombreux là-bas. Passez l'annonce. Confirmez que le prophète Ferdinand sera en France, à Paris précisément. Nous serons là pour la nuit de la turbulence prophétique, la nuit de la vengeance de l'Éternel. Voilà comment cette nuit est baptisée cette fois-ci. La nuit de la vengeance de l'Éternel. Le Seigneur nous vengera. Dans toutes nos détresses, il nous vengera. Dans toutes les oppressions familiales, ancestrales. Jemima. S'il vous plaît, n'ouvrez plus la porte là, je vous en prie. Dans toutes les oppressions familiales, ancestrales, la main de Dieu sera puissante. Et le Seigneur nous délivrera, il brisera les chaînes de la servitude à Satan dans ta vie, tes larmes. Le Seigneur les nettoiera, comme il est écrit, il nettoiera lui-même toutes larmes de leurs yeux. Donc si tu as foi en Dieu, réjouis-toi déjà, passe l'annonce autour de toi. Vendredi 13 septembre, de 21 à 5 heures du matin, à Villabé, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé, la salle, c'est la Lune d'Or.
Voilà, c'est une très grande salle, une très belle salle. Alors viens là-bas, nous allons ensemble passer cette nuit de délivrance. Ce sera une nuit terrible, que chacun se prépare. Et dimanche, le 15 septembre, c'est le culte des familles, le culte de la vengeance de l'Éternel, où nous présenterons nos familles à Dieu et nous apporterons nos plaintes devant l'Éternel. Toute oppression, tout hôtel maléfique qui a oppressé ta vie, qui opprime ta famille, nous allons prier pour cela. J'ai expliqué que parfois, nous voyageons sans avoir en décousu avec les hôtels familiaux. Donc, nous viendrons, nous allons prier ensemble et la main de Dieu sera puissante. Dieu se manifestera puissamment, je puis te l'assurer. Donc, ne manque pas. Si jamais vous n'avez assisté à l'un de mes programmes en Europe, je vous donne l'occasion de vous racheter. Dites-vous, cette fois-ci, je ferai tout pour être là-bas. Vous avez entendu parler des choses que Dieu fait au milieu de nous là-bas. Je pense qu'il est temps que vous-même veniez recevoir votre propre portion de grâce, de visitation et de bénédiction. Donc, notez les deux grandes dates. Mais c'est possible que le 14, nous puissions avoir la conférence avec tous mes partenaires. Oh, tous ceux-là qui ont soutenu ce ministère de près comme de loin, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. J'aurai une conférence avec vous. La salle sera donnée sur place. Elle sera donnée sur place. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de travailler pour avoir le forum de l'église en ligne pour tous ceux qui sont loin, pour tous mes enfants de la diaspora, tous ceux qui se sentent membres de ce ministère, de cette commission. On va travailler ensemble. On aura un jour de culte. On travaillera sur Zoom, voilà, ou sur le groupe WhatsApp. On verra, ça dépendra du nombre de personnes. Et j'aurai aussi un forum pour mes partenaires. Voilà, pour tous ceux qui sont une bénédiction financière pour notre ministère. Dieu manifestera sa gloire et sa grâce. Lorsqu'on parle des liens familiaux ou des hôtels familiaux, ce sont des malédictions en fait. C'est des résistances, des poches de résistance maléfiques qui apportent le malheur, la souffrance dans la vie des membres d'une famille. C'est-à-dire que tu peux remarquer que ce qui arrive à tes parents t'arrive. Ce qui arrive à tes grands-parents se répète aussi dans ta vie. Comme j'expliquais sur le prophète Kamto hier, il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où on a toujours les enfants hors mariage. Il y a des familles où, quand on a de bonnes relations, elles viennent toujours à être gâtées. Il y a des familles où les gens ne prospèrent pas. Il y a des familles où c'est le blocage. Il y a des familles où c'est le divorce. Il y a des familles où c'est la mort précoce. Il y a des familles où c'est l'ivrognerie. Donc, etc., etc. C'est à chacun d'identifier les malédictions de sa famille et de dire ça, c'est un hôtel. Voilà, quand on parle d'un hôtel, quand on parle d'hôtel maléfique, c'est une situation récalcitrante, résistante et récalcitrante. Ça veut dire, tu jeûnes, ça ne part pas, tu pries, ça ne part pas. Parfois, il faut des interventions fortes pour que ça parte. Parfois, ça prend des années pour que ça disparaisse. Donc, dans des cas comme ceux-là, il faut que tu comprennes qu'il s'agit d'une attaque de fondation satanique. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons commencer d'abord ici. Il y a des gens qui sont intellectuels, qui ont de gros diplômes, qui n'ont pas de travail. Tu vois, tu as le diplôme, tu n'as pas le travail. Parfois, d'autres même ont le travail, mais ne jouissent pas du fruit de leur travail. L'argent là ne leur sert à rien. Donc, c'est un esprit de pauvreté sur ta vie. Tu peux toucher des milliards et des milliards. Mais tu ne fais rien avec ces milliards. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as l'argent, il y a des inutilités qui vont surgir de nulle part. Et tu vas dépenser tout ton argent dans ces choses secondaires. Et c'est quand l'argent finit que tes yeux s'ouvrent sur les choses principales. Ouais. Et là, tu te rends compte que, ouais, je n'ai pas payé le loyer. Oh là là, je devais acheter le terrain pour construire ma propre maison. Je ne l'ai pas fait. Comme j'expliquais chez mon frère, le prophète Kamto hier, je leur ai expliqué que, quand on parle de malédictions familiales, il y a ce qu'on appelle les malédictions ethniques. Ouais. Les malédictions ethniques, c'est quoi? Par exemple, ici chez nous, au centre, on sait qu'au centre, les gens sont des propriétaires terriens. Les gens sont des propriétaires terriens. Et ils vendent les terrains et ils deviennent esclaves de ceux qui achètent leur terrain. Ouais, c'est ça un peu le problème. Ils vendent des terrains et ils achètent. C'est-à-dire, ils vendent les terrains et ils deviennent esclaves des étrangers qui viennent construire, envahir et les subjuguer dans leur propre terrain. Ils vendent leur héritage dans tous les cas. Or, vous savez, il y a des tribus qui ne vendent pas leur héritage. Par exemple, au Cameroun, il y a les Bamileke, il y a les Nordistes. Les Bamileke, les Nordistes, ça je parle de ce que je connais bien. C'est les tribus qui achètent les terrains, les terres d'autres tribus et deviennent maîtres de ces tribus-là. Mais qui ne vendent pas leur tribu, ne vendent pas leur terrain aux étrangers.
Et je le dis avec insistance, ils ne vendent pas leur terrain aux étrangers. Au nord, vous trouverez rarement un non-musulman, un chrétien, quelqu'un d'une autre tribu, posséder des terres. C'est très rare. Au nord, lorsqu'un nordiste veut vendre son terrain, il vend ça à un autre nordiste, il vend ça à un autre musulman. Quand vous venez que je suis chrétien, je dis kakaï. Non, 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 les chrétiens, là, on ne veut pas. Parce qu'ils ne veulent pas être domptés par ceux qui ne sont pas de leur tribu, ou de leur race, ou de leur ethnie. Donc, ils refusent de vendre les terrains aux non-musulmans. Mais ils préfèrent vendre ça à des musulmans comme eux, à leurs frères. Parce que c'est ça qu'il n'y aura pas de domination, il y aura toujours une collaboration entre eux. Ils préfèrent même travailler pour leurs propres frères que de travailler pour un étranger. Ouais, c'est la même chose avec les Bamilékés. Les Bamilékés, pour que tu achètes le terrain d'un Bamiléké, tu es un étranger, c'est difficile. Ils vendent leur terrain entre eux. Mais ils sont forts pour acheter les terrains des autres. Donc ça leur confère une position de suprématie financière. Et au Cameroun aujourd'hui, les deux tribus qui sont les plus riches, c'est les nordistes et les Bamilékés, les tribus Bamilékés. C'est ça la réalité. Voyez. Donc, ces deux tribus, pourquoi? Parce que leur stratégie, c'est de ne pas vendre leur héritage, mais d'acheter les héritages des autres. Or, les autres tribus n'ont pas compris cela. Une fois, je suis allé dans la plaine Tikar, je me suis rendu compte que les Tikar eux-mêmes, les Tikar sont sujets à la même malédiction. Les Tikar sont sujets à la même malédiction. Or, ma mère, elle est Tikar. Voyez. C'est une malédiction parentale, familiale, ethnique. Les Tikar, ils vendent. Quand je suis arrivé, à Mata. Je suis arrivé à Mata, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de musulmans là-bas, beaucoup de nordistes qui avaient des boutiques, avaient des terrains, avaient des champs, etc. Et puis, c'est les Tikar qui travaillent pour eux. Les Tikar, et ils ont une domination sur les Tikar, ils ont l'autorité sur les Tikar. Parce que celui à qui appartient la terre, celui qui possède les terres, automatiquement devient seigneur des terres. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de Tikar étaient dépossédés. Ils achetaient dans les boutiques des nordistes. C'est là-bas qu'ils se ravitaillaient. Et donc, si tu achètes dans la boutique de quelqu'un, automatiquement, il a une supériorité sur toi. Parfois, si tu n'as pas l'argent, tu seras obligé d'aller commander chez lui, prendre de la dette et tout. Et celui qui est ton créancier est ton maître. Ça, il faut le savoir. Donc, j'ai vu ça et ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a choqué. Mais va demander à un nordiste, à un Fulani, que tu vas acheter son terrain. Si tu n'es pas musulman, et Fulani, il ne vend pas son terrain. Rares sont ceux qui vendent le terrain aux étrangers. Ça fait donc qu'ils ont gardé cette souveraineté. Et c'est des malédictions, en fait. C'est des malédictions. Donc, c'est des malédictions qui, parfois, se manifestent dans des ethnies tout entières. C'est ce qu'on appelle les malédictions ethniques. Voilà. Donc, que Dieu manifeste sa grâce. Et quelles que soient les malédictions que tu as entraînées par héritage, nous allons prier. Le Seigneur nous aidera. Donc, ce dimanche, ne manque pas à la bille. À la bière. Nous serons à la bière à partir de 8h. Viens avec l'objet de ta maison, ça sera un culte très fort. Et viens avec tes enfants. En Europe, je viens avec la même chose. Le mois de la vengeance de l'Éternel pour vous. La nuit de la vengeance de l'Éternel, le culte, le dimanche de la vengeance de l'Éternel. Tu es peut-être là-bas en Europe, mais tu n'es pas en sécurité. Pourquoi? Parce que tu es parti en Europe, mais sans briser les fondations familiales, les hôtels familiaux. Il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. Il n'y a pas les frontières. Non, non. Tu peux aller main à la Mecque si tu veux. Si tu n'en as pas décousu avec les hôtels de la maison de ton père ou de ta mère, ça va, c'est même les hôtels-là qui vont t'accueillir là-bas. C'est-à-dire que dès que tu descends là sur le tarmac, là, ce sont ces hôtels qui vont venir te dire « Hey, yaya to. » Donc, bien-aimé, nous devons prier pour cela. C'est pour cela que Dieu nous a suscité comme prophète dans notre génération pour révéler les secrets du diable et dénoncer ses œuvres ténébreuses et les détruire pour que le peuple puisse parvenir jusqu'au pays du repos qui est Canaan. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Pour ceux qui sont en ligne, vous prendrez un objet de votre maison. Ceux qui sont en ligne. Mais ceux qui seront à mon programme en Europe, ça ne sert à rien. Venez avec en face à face. Venez avec à Villabé, 20 avenue de Courtes et Piches 91100 Villabé. Ah, qui est là? Hein? Viens, ma fille. Viens un peu. 91100 Villabé. Donc, soyons très nombreux. Soyons très, très nombreux. La main de Dieu se manifestera puissamment. Qu'est-ce que tu avais en main là? C'est quoi? Viens pas avec.
Viens avec toi. Nous bénissons le Seigneur. Donc, ceux qui sont en Europe, venez en Europe, il n'y a pas de problème. Venez à la Lune d'Or, 91-100 Villabé. C'est les habits de qui? Ça, attends, ça c'est les draps. Tu veux laver? Tu veux? Non, 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 non. Enlève-moi les draps. Enlève les draps. C'est les draps de chez moi. Enlevez les draps. Non, non, enlevez les draps. On va voir ça précis. Lavez pas les draps. Lave, j'ai dit lave les habits de maison. Pas les habits de... Donc, ok, laisse les draps. Donc voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous ceux qui sont en Europe, ne vous en faites pas. Venez à Villabé. Venez à Villabé, on va travailler ensemble là-bas. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Maintenant, on va entrer dans le sujet de ce matin. La réconciliation spectaculaire, je préfère le dire ainsi. La réconciliation spectaculaire entre le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Marcelo Tsunashi. Excusez-moi, pour aborder un thème comme celui-là, il faut bien tourner son thé d'abord. Selon moi, c'est l'événement du siècle. Pour moi, c'est l'événement du siècle. C'est l'événement du siècle. Ouais. C'est un événement pas seulement trop important pour l'Église du Congo, mais c'est aussi un événement importantissime pour l'Église de Jésus-Christ tout entière. Je pense que, sans le vouloir, beaucoup de personnes, l'Église a été affectée, beaucoup de personnes. Je parle de l'Église, parce que c'est une histoire internationale. Nous avons été tous témoins de cette guerre, de cette guerre. C'est très sérieux, écoutez-moi bien, parce que là, je risque de blesser les gens ce matin. Nous avons tous été témoins de cette guerre. On a été témoins de cette guerre. Et nous avons tous été victimes d'une façon ou d'une autre par cette guerre. Et nous avons, de cette guerre, nous avons été touchés de près comme de loin par cette situation. Parce que cette situation a engendré beaucoup d'autres situations. Ça a engendré trop de situations, je vous assure. Ça a engendré trop de situations, beaucoup, beaucoup d'autres situations parallèles. Excusez-moi. L'histoire des querelles entre le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Marcelo, je pense que ça gênait beaucoup de personnes. Moi, j'étais un peu au cœur parce que je parle avec le prophète Joël. Donc, je sais que pendant tout ce moment, tout ce temps, le prophète Joël pleurait chez moi. S'il y a quelque chose qui l'affligeait, c'était le problème qu'il y avait entre lui et le pasteur Marcelo. Je pense que c'était l'une des principales choses qui affligeait son cœur. Chaque fois qu'on parlait, il me disait, j'ai fait quoi mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre? Pourquoi on ne peut pas vivre en paix? J'étais bien avec le frère et tout. Donc, et un peu ça. Je peux évoquer ça. Donc, c'est quelque chose qui a suscité le malaise dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Moi-même, je n'étais pas à l'aise avec cette histoire-là. Et j'avoue que moi aussi, j'étais victime de cette affaire. J'étais victime de cette affaire. J'étais victime, une victime principale même, l'une des victimes principales. Parce que je me souviens, à l'époque là, et quand j'ai demandé au prophète Joël Francis Tatou de venir au Cameroun,
J'ai eu tous les problèmes, mes amis. J'ai eu des sérieux, sérieux problèmes. J'ai de très, très graves, sérieux problèmes. Parce qu'à cette époque, il y avait comme, je vais dire, je ne sais pas si je veux dire ça comme un bloc. Parce qu'il y avait le prophète Marcelo Tunassi, qui est ami avec le pasteur Ivan Castanou. Et donc, automatiquement, il y avait ce bloc. Parce que ce que je sais aussi du prophète, du pasteur Ivan Castanou, c'est qu'il ne croit pas trop au ministère des prophètes. Bon, il est un peu restreint là. Le ministère prophétique chez lui a un problème. Il a un problème avec, quoi qu'on dise. Il y a un petit problème technique quelque part avec. Donc c'est ça. Et j'essaie de comprendre. Parce que je pense qu'il y a eu des dérives tellement, des dérives dans le ministère prophétique, que certaines personnes sont devenues renfermées par rapport à cela. Tout comme il y a eu des dérives avec les pasteurs, avec les enseignants de la parole, avec ceux qui exercent les dons de l'esprit, dans tous les cinq ministères, il y a toujours eu des dérives. Il y a eu des dérives. Non, chacun gère ça comme il peut. Mais, il y avait ce bloc-là. Il y avait un bloc. Et ce bloc parlait contre Joël Francis Tatou. Et j'étais témoin de ça. Parfois, il m'envoyait des audios, parfois même m'envoyait des vidéos. Je crois une fois, il m'envoyait des vidéos de l'un des hommes de Dieu qui le maudissait, qui disait carrément qu'il est diabolique et tout ça. Maintenant, la question que l'on se posait, c'était, tu vas faire comment pour aller parler aux gens? Comment pour que les gens se réconcilient? Comment pour que les gens s'asseyent? Et ça apportait une profonde division. Une profonde division. Et je n'ai jamais vu une opposition acharnée, violente, comme celle qui a opposé Joël Francis Tatou au pasteur Marcelo. Parce que le pasteur Marcelo, comme j'ai suivi une de ses vidéos hier, lui-même dit dans la vidéo que quand il envoyait ses missiles, feu son épouse n'était pas d'accord. Elle se fâchait contre lui, elle partait. Et je dis la vérité devant Dieu. Ça, je peux dire la vérité. Je dis la vérité devant le Seigneur. Là, je savais que son épouse ne soutenait pas cette action. Mais elle devrait suivre son mari comme une épouse soumise, comme une femme soumise. Elle ne pouvait pas s'opposer publiquement à son mari. Mais j'étais convaincu que cette femme parlait à son mari. La raison est passée. C'est aussi ça les caractéristiques d'une bonne femme. C'est-à-dire qu'en public, elle ne parle pas, mais à la maison, elle ramène son mari, elle dit à son chéri que non, écoute, ça, c'est pas bien. Pourquoi tu fais ça? C'est pas gentil, c'est pas bon. Donc, ça a porté une division profonde dans l'église. Je pense qu'au-delà de la réconciliation, au-delà de la réconciliation entre le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Marcelo, ils doivent aussi demander pardon à l'église. Ça ne doit pas seulement être une réconciliation simple. Non, ils doivent demander pardon à l'église. Parce qu'au moins une brebis s'est perdue dans cette histoire. Il y a eu des dégâts. Il y a des brebis qui ont naufragé. Il y a des brebis qui ont naufragé. Il y a des brebis du côté du pasteur Marcelo qui ont insulté le docteur, le prophète Joël Francis Tatou. Il y a aussi du côté du docteur Francis Tatou qui ont pris à cœur le pasteur Marcelo. Et les brebis ont péché contre l'Éternel en profanant le Saint Ministère, en parlant pour défendre leur père contre le père d'un autre ministère. Et d'autres aussi, je pense qu'il y a eu au moins une personne qui se soit dégagée du ministère, de l'église, qui a abandonné. Dans tous les cas, il y a eu des victimes dans l'église. Ce n'est pas une histoire simple. Elle n'est pas simple. Ça, c'est une histoire qu'il faut essayer. Il faut qu'il y ait réparation après la réconciliation. Il faut qu'ils demandent pardon à l'église, demandent pardon à tous ceux qui ont été égarés à cause de leurs problèmes, tous ceux qui ont pris en haine leurs frères à cause de leurs bagarres. Vous voyez, lui-même, il a expliqué clairement que quand il lançait ses missiles, c'est-à-dire qu'il était conscient qu'il lançait les missiles à son frère. Donc la vidéo, je l'ai regardée, je l'ai encore suivie. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, vous voyez donc que la leçon qu'il faut tenir, mes amis, ne vous mêlez pas des problèmes des hommes de Dieu. Ne vous mêlez pas. Maintenant, les voilà. Ceux qui avaient pris des partis, ils vont faire comment? Vous ferez comment? Voilà les deux maintenant. Et le dimanche, je pense, le dimanche passé, le prophète Joël Francis Tatou était chez lui avec sa femme. Il était chez son frère. Il s'appelle mon frère, mon frère. Maintenant, vous qui aviez pris la chose à cœur,
jusqu'à prendre des décisions, des résolutions, insulter, sortir sur le réseau, insulter le prophète Francis Tatou, insulter Marcelo. Maintenant, je pose une question. Qu'en est-il de tout cela? Vous allez faire comment maintenant? On va faire comment, mes frères? Qui aurait imaginé que le prophète Joël serait assis à Compassion, c'est Compassion Globale, j'espère, ou à Compassion? Qui aurait imaginé? Qui aurait imaginé? Maintenant, vous avez fait comment? Ces brebis-là sont perdues. Elles sont perdues. Les brebis qui suivaient le pasteur Marcelo, qui disaient, oh oui, Francis Tatou, c'est un faux prophète. Ils avaient cru. Ils ont dit faux prophète. Maintenant, ils voient le faux prophète à Compassion. Il est assis. Il rit avec leur père. Et ils s'embrassent, eux. Ils parlent. Et ils oublient tout ça. Maintenant, les brebis-là, il faut réparer dans leur esprit les dégâts qui ont été commis. Il faut réhabiliter donc l'image du prophète Joël Francis Tatou. Et le prophète Tatou aussi doit réhabiliter l'image du pasteur Marcelo aux yeux de ses partisans. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Je bénis Dieu. C'est extraordinaire. C'est une grosse victoire et une grosse perte pour le monde des ténèbres. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est l'une des plus belles... comment dire ça? Un des plus beaux événements du siècle dans l'église francophone. Parce que c'est deux mastodontes, mes amis. C'est deux mastodontes qui ont des millions de personnes qui les suivent. Aujourd'hui, leur réconciliation est une grosse victoire pour l'église. Maintenant, la question à se poser, ceux dont qui avaient pris la chose à cœur, ils vont faire comment? Celui que vous suiviez, que c'est un faux prophète, maintenant, il est avec son frère. Son frère reconnaît qu'il a commis une erreur. Et j'ai été heureux de savoir que la femme, feu épouse du pasteur Marcelo Tunassi, ne le soutenait pas dedans. Parce que c'était une histoire. C'était une histoire qui pouvait se résoudre entre frères. Mais quand le diable entre entre deux hommes de Dieu, ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Ce n'était pas agréable, mes yeux. Mais mes amis, ce n'était pas du tout agréable. C'est une situation qui n'a pas milité pour le corps de Christ en sa faveur. Non, au contraire. Bon, maintenant, je me suis posé certaines questions. Et ça, c'est une question que je me pose, c'est sérieux. Je vais en parler. Hein. Je sais que pasteur, le prophète Joël Francis Tatou, a été ami de longue date avec le pasteur Marcelo Tunassi. Il a été ami de longue date avec le pasteur Ivan Castano. Maintenant, on connaît la position d'Ivan Castano par rapport à JFT. On connaît aussi la position qu'on connaît la position qu'avait Marcelo, le pasteur Marcelo, vis-à-vis du prophète Francis Tatou. Maintenant, le pasteur Marcelo se réconcilie avec le prophète Francis Tatou. Quelle sera la position du pasteur Ivan Castano par rapport à ça? Parce qu'on sait que Ivan Castano est ami avec le pasteur Marcelo Tunassi. C'est des grands amis. Et je pense qu'il partageait certainement, sauf si je me trompe, le même avis par rapport au prophète Francis Tatou. Et que certainement, ils auraient parlé même. Par rapport à ça, j'ai dit, ils auraient au conditionnel. Je n'ai pas été là. Je mets ça au conditionnel. Et qu'ils auraient partagé cet avis-là dans les causeries, les conversations, parlant du prophète Joël Francis Tatou. Maintenant, le pasteur Marcelo est réconcilié avec le prophète Joël Francis Tatou. Maintenant, qu'en sera-t-il de l'amitié entre le pasteur Marcelo et le pasteur Ivan Castano? Et qu'adviendra-t-il de la relation rompue entre le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Ivan Castano? Moi, je pense qu'il faut qu'ils se retrouvent pour parler. Il y a un faux profil. Je vois chez le prophète Ferdinand Ekane qui est en train de commenter sur ma page. C'est-à-dire, vous êtes bête parfois. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Attendez d'abord, je vais le bannir d'abord. Voilà, vous le bannir un peu. Lui, il est excommunié. Comment vous êtes bête comme ça? Tu fais une fausse page en mon nom et tu viens commenter, répondre aux commentaires dans ma page. Et je te vois. Je te bannis.
Donc, je pense que cette histoire a commencé. Nous glorifions le nom de Jésus. Mais il faut que ça continue. Parce que moi-même, je suis victime de cette affaire. Je suis victime de ça. Et le prophète Francis Tatou, il le sait. Et je pense que l'église au Cameroun doit aussi le savoir. Je suis victime de ça. Je pense qu'on a eu des problèmes à notre niveau ici au Cameroun à cause de Francis Tatou. Parce que je l'ai accepté, je l'ai invité ici. Notre groupe a explosé par rapport à cela. Or, moi je suis un homme indépendant. Je suis indépendant, ça veut dire que mes décisions, je les assume. Et je les assumerai jusqu'à ma mort. C'est ça la réalité, c'est ça la sainte vérité. Mais, je vais te dire, quand j'ai amené le prophète Francis Tatou au Cameroun, je l'ai invité au programme que j'organisais, et il est venu. Dans notre groupe ici au Cameroun, on m'a reproché cela. Pourquoi je l'ai fait venir? Et ça a été cause de fortes dissensions au point où on se sépare. C'était l'affaire là. C'était cette histoire. Bon, maintenant, comme il y a la réconciliation déjà là-bas, ça a commencé. Comment vous allez donc expliquer ça aux gens? Donc, ça veut dire que nous, on a pris tellement la chose à cœur. Nous voici, on a tellement pris ça à cœur qu'on s'est même séparé de ceux qui étaient nos frères d'alliance. Maintenant, pour que les bien-aimés qu'on défendait, entre guillemets, commencent à se réconcilier entre eux là-bas. Et je ne pense pas que je sois la seule personne qui a connu des séparations à cause de la guerre entre le prophète Jean-Francis Tatou, le pasteur Marcelo et le pasteur Ivan Castano. Je ne pense pas que je sois la seule personne. Bon, maintenant, la question à se poser, les dégâts-là seront réparés comment? Ça sera réparé comment? La main de Dieu seul pourra restaurer les cœurs, pourra parler aux gens et puis ramener les cœurs, la paix dans les cœurs. Mais je vous dis la vérité, il y a des personnes qui ont été blessées à cause de cette histoire. Il y a des personnes qui ont perdu des relations, des amitiés qui ont été brisées, des amitiés de longue date qui ont été brisées à cause de la guerre entre le prophète Francis Tatou et le pasteur Marcelo. Et le pasteur Ivan Castano aussi. C'est ça la vérité. Maintenant, si le pasteur Marcelo reconnaît qu'il a commis une erreur, et que s'il y a même quelque chose contre son frère, il doit aller vers son frère, je pense que le pasteur Ivan Castano devrait suivre. Et tout le reste... Et si ça continue, c'est bon? Voilà, je pense que c'est revenu. Donc, je disais que cette réconciliation doit continuer, que cette œuvre que l'Esprit de Dieu a commencée continue. Et que tous les hommes de Dieu qui sont dans la même situation, ça veut dire qui ont des problèmes avec leurs frères, ça doit nous enseigner de grandes leçons. C'est une grosse leçon pour l'Église. Une grosse leçon pour les hommes, surtout les chrétiens, les fidèles, qui aiment se mêler des problèmes de leur père. Voilà ça. Voilà ce qui se passe. Ça doit nous montrer que cette vie, c'est rien. Qu'on doit mettre les intérêts de l'Église de Dieu au-dessus de nos intérêts personnels. On doit mettre les intérêts de Jésus-Christ au-delà de nos intérêts personnels. C'est ça, mes amis. Voyez, quand les hommes de Dieu se battent, c'est pour ça qu'on dit souvent aux fils de ne pas se mêler des problèmes de leur père. Je pose une question. Maintenant, vous allez faire comment? Vous qui avez pris parti, qui avez pris des décisions par rapport à ça, parlez. Ils se réconcilient, on va faire comment? Ça nous montre aussi qu'on est conscient parfois du mal que nous faisons à l'Église de Dieu. C'est-à-dire, c'est simple. Ça ne va pas avec ton frère, ne viens pas sur les réseaux sociaux le descendre. Il faut aller le voir, on arrange. Au moins, on se soucie de l'Église, on se soucie des brebis et de nouveaux convertis qui peuvent être affectés, même perdre la vie éternelle à cause de notre orgueil. Et je pense qu'il y a des situations qui nous arrivent, parce que Dieu veut restaurer sa maison. Et ça, je vais partager cette pensée. Vous pourrez ne pas être d'accord avec moi, je vous comprendrai, et c'est libre, chacun est libre de penser comme il veut.
Je peux dire avec vérité que la mort de l'épouse et du pasteur Marcelo Tounassi a contribué totalement à la réconciliation avec le prophète Joël Francis Tatou. C'est-à-dire qu'elle n'est pas morte pour rien. Sa mort a été un sacrifice, une offrande à l'Éternel pour la réconciliation de ces deux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que leur réconciliation a un impact fort et immense sur l'Église, l'Église du monde entier, l'Église francophone du monde entier, que ce soit en Europe, en Afrique, dans les îles. Ce problème est allé partout. Et il y a eu deux camps partout. Et l'Église de Jésus-Christ était profondément divisée à cause du conflit entre le pasteur Marcelo Tounassi et le prophète Francis Joël. Et donc, si la femme du pasteur Marcelo ne mourait pas, ils ne seraient pas réconciliés, alors si, ça c'est impossible. Ça c'est ma vision, c'est mon point de vue. Si elle n'était pas retournée au Seigneur, les deux ne seraient pas réconciliés et l'Église, le diable continuerait à gangréner les cœurs, à mildiouser les cœurs, à mettre le cancer dans les cœurs de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais, Dieu, dans sa souveraineté, par la mort de la femme du pasteur Marcelo Tounassi, qui est une sémence pour l'Église, elle n'est pas morte pour rien. Sa mort n'est pas inutile. Elle a été utile à l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les deux sont réconciliés. Aucun homme sur cette terre ne pouvait réconcilier les deux-là. Impossible. Mais, en perdant cet être qui lui était cher, peut-être l'être qui lui était le plus cher au monde, ses yeux se sont ouverts à comprendre que la vie est une vanité. Que toutes ces guerres, c'est une vanité. Ton frère peut partir aussi, ça peut être toi demain. Et tout cela, ça l'a ramené. Il a retrouvé les sentiments qu'il fallait qu'il retrouvât pour pouvoir se réconcilier. Et cette réconciliation guérit maintenant tout le corps de Christ. Il y a un effet puissant dans toute l'Église de Jésus-Christ et tout le monde regarde. Et tous les fils qui étaient divisés vont revenir ensemble. Tous ceux qui étaient dans les problèmes à cause de leur division, qui ont cru l'un ou l'autre, vont comprendre maintenant qu'en fait, les deux nous ont induits en erreur. Alors, on va revenir. Je pense que la position même du prophète Francis Tatou, elle était plus défensive qu'offensive. Elle était défensive parce que je pense que quelqu'un que j'ai aussi côtoyé et que je côtoie encore, je pense que sa position était plus défensive. On bombardait partout, il devait se défendre. Dans tous les cas, mes amis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous disons bravo Saint-Esprit qui vous a réconcilié. Nous sommes fiers de vous voir comme ça. Gardez-le tout simplement parce que le diable le plus souvent n'accepte pas ce genre de défaite. Il ne se laissera pas faire. Il va tout faire pour revenir, semer encore une autre discorde. Soyez sages. Vous nous avez déjà dit que vous vous étiez trompés. Donc, si on vous voit encore divisé, nous saurons que là, maintenant, vous voulez nous tromper vrai. La première fois, on considère que c'était l'ignorance. Donc, cette fois-ci, on ne peut pas accepter que ça arrive. Pourquoi? Parce que il y a les gens du côté du prophète Francis ou du côté du pasteur Marcelo qui vous diront, qui vont leur dire à chacun, n'accepte pas ça, non, et tout ça. Il y a des mauvais conseillers, des mécontents de ces situations qui reviendront pour vous inciter encore à d'autres problèmes, aux conflits et tout ça. Soyez sages et dites non. Et le Seigneur vous bénisse. Que ces réconciliations durent éternellement dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, te bénissons pour ces réconciliations. Que ton nom soit glorifié. Ah, notre joie est parfaite, Seigneur. Nous te bénissons et nous prions que ça dure éternellement. Que ton nom soit glorifié davantage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous que ce dimanche, nous serons à la Bible à partir de 8h. Vendredi, on a atmosphère de miracle à la Bible déjà, à 17h. Et nous serons là pour la gloire de Jésus. Dimanche, viens avec l'objet de ta maison. Venons très nombreux. Ce n'est pas le dimanche qu'il faut manquer. Si tu as un problème, tu veux que Dieu te venge, que Dieu te défende, qu'il défende ta cause, ne manque pas tous les dimanches du mois d'août. La main de Dieu sera puissante. Le Seigneur nous défendra. C'est le mois de la vengeance de l'Éternel. Donc nous serons là, et dimanche le 28 à la Bible, c'est le culte des familles. On vient avec les objets là, je vais mettre l'huile dessus. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu vas aller récolter les victoires de l'Éternel dans ta vie. Et nous serons en France, tous ceux qui sont en Europe, que tu sois en Angleterre, que tu sois même aux États-Unis, partout, passez l'annonce. Le poète Alain Ferdinand a deux grands programmes en Europe.
vendredi 13 septembre de 21h à l'aube, dans la salle appelée la Lune d'Or, au 20 avenue des Courtes et Plus, 91 100 Villabé, nous serons là pour la nuit de la vengeance de l'Éternel, 21h jusqu'à 5h du matin. Et dimanche, le 15 septembre, c'est le culte des familles. On va consacrer nos enfants à l'Éternel, nos familles à l'Éternel. Venons avec nos enfants pour recevoir la bénédiction. C'est la rentrée scolaire. On va les consacrer à notre Dieu. Et samedi, le 14, j'aurai la conférence avec tous mes partenaires. Donc, je viens en Europe pour toi. Ne manque pas. Le diable cherchera à te dire non, ne va pas. Ah non, 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 s'il te plaît, on a vu. Vous avez vu comment le diable a trompé l'église avec l'histoire du pasteur Marcelo. Vous pouvez avoir de mauvaises idées sur quelqu'un, pourtant c'est faux. C'est ça la leçon qu'il faut tenir. Donc, même toi aussi, à qui le diable a dit que je suis un faux prophète, viens quand même. Viens, n'avance pas trop, reste au fond de la salle pour observer. Et je t'assure que tu quitteras là-bas et avec d'autres idées dans ton esprit. Que Dieu te bénisse, ne manque pas. Le diable fera tout pour t'empêcher d'être à Villabé. Dis à Satan, tu es un menteur. Donc, soyons très, très nombreux là-bas. Je serai à Paris, je pense, par le garde du Seigneur Jésus-Christ, mais à partir du 1er déjà, pour commencer à préparer ce grand programme sur place avec mes équipes. Nous allons passer des moments agréables ensemble. Et que Dieu bénisse tous mes partenaires. Et ceux qui veulent être de nouveaux partenaires, vous n'avez pas été partenaire financier de cette grande mission, vous voulez le définir, je vous donne rendez-vous là-bas à Paris. L'occasion vous sera accordée. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Passons une belle journée. Shalom, shalom, shalom.